Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Ce qui fait la grandeur d'une vie, ce n'est pas sa notoriété, sa reconnaissance, ni les honneurs. C'est la vie qui en jaillit. C'est ce qui se vit dans le cœur et qui s'exprime dans le témoignage de la vie. Les saints et les saintes sont toutes et tous des petits qui laissent passer en eux la grâce de Dieu, qui savent faire toute sa place à l'Esprit de Dieu et laissent ainsi transparaître quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, l'amour de Dieu, infini et miséricordieux. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Catherine de Sienne, dont c'est la fête aujourd'hui, fait partie de ces témoins. Sa force, son courage, son audace, elle ne l'épuise pas en elle seule, mais sait les recevoir de Dieu. Ainsi, Catherine devient témoin de l'amour que Dieu porte à ses créatures. La vie, c'est vrai, est parfois un combat. Pour beaucoup, le fardeau de la vie est très lourd. Catherine rencontrera, elle aussi, l'adversité, des résistances, et ses seules forces ne sauraient suffire. Et c'est pourquoi Jésus nous invite à venir à lui, car lui, il peut porter lourd. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Acceptons l'amitié, la proximité, le soutien de celui qui dit « Je suis doux et humble de cœur ». Au cœur de toutes les formes de violence, de tous les mépris, de tous les rejets, il est bon d'entendre le Seigneur nous dire qu'il est doux et humble de cœur. Ce ne sont pas là des mots pour nous consoler. Il y a dans ces paroles toute sa vie donnée. Il y a toute sa fidélité à son Père, toute sa disponibilité aux hommes et aux femmes rencontrés, tous les relèvements, les guérisons, les pardons. En un mot, il y a là l'épaisseur de l'amour incarné. Alors, osons devenir son disciple. Christ est ressuscité. Alléluia.